僕らは声が枯れるまで存在続ける。Et bienvenue, bienvenue à tous et bienvenue pour bonjour aussi, bienvenue pour un nouveau test Super Mario Bros. Non, Super Mario 64, excusez-moi. Donc on s'est arrêté avec 20 étoiles et on avait fini quelques niveaux. Attendez, j'ai un petit problème avec mon émulateur. Deux secondes. Voilà. Tac. 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 Et voilà. Donc je disais, oui, bon, on s'était arrêté sur un truc. On était arrêté à 20 étoiles, donc on va continuer notre petit let's play. Surtout que ça fait assez quelques temps que je l'ai laissé un peu en suspens celui-là. Donc on va aller dans le niveau du désert. Cette fois on va continuer un peu sur ce niveau là. De toute façon il me faut encore beaucoup d'étoiles avant de finir aller devant le deuxième boisseur. D'ailleurs on va voir combien il m'en reste. J'aimerais bien voir quand même un reste d'étoiles. Alors vous avez 30 étoiles. Oh, 10 étoiles. Allez, on va essayer de se le faire. Donc il faut aller avoir, faut avoir 30 étoiles si j'ai bien compris. Oh, ça peut se faire, ça peut se faire. Donc on va aller sur le truc du désert, je disais. Donc on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Et je tiens à remercier beaucoup de personnes que j'adore qui m'ont souhaité mon anniversaire qui était hier. Surtout pour la petite vidéo de Blacky, que je fais une petite dédicace. Enfin, Blacky, Mio, Dupoison et Marion. Je les remercie tous personnellement parce que ça m'a fait drôlement plaisir et ça m'a beaucoup touché. Merci à vous tous. Oulala, oulala. Il était con, j'aurais pu choisir la... le chapeau qu'il faut donner des ailes. Non, ce n'est pas Red Bull donne des ailes. Blague de merde arrivée. Aïe aïe aïe. Hop là. Donc il faut que j'essaye d'aller vers... je crois que c'est quoi là? Dans l'ancienne pyramide. Donc je dois rentrer dans la fameuse pyramide. Ça va être tout galère tout ça. Oh putain, non, 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 non. Voilà pourquoi je disais que c'était galère. Avec cette putain de... tornade à la con, là. Mais bon, ça va, c'est, je suis rentré tranquille. Allez, allons dans la pyramide. Quelle belle pyramide, vous direz-vous. Alors, faire attention parce qu'elle est aussi dangereuse. Je crois que je dois aller tout en haut pour y aller. Oh la chier, c'est chiant ce niveau. Je sais pas si on va aller voir Boissure parce que je veux pas non plus que la vidéo dure assez longtemps. Non, je prends pas le risque de prendre ça. Je sens que je vais me faire tuer, Non, ça va. D'ailleurs, y a pas, je vais vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai joué au Super Mario Bros. Wii U. Bah, il est pas mal, mais bon, c'est toujours la même chose. Il faudrait qu'il change un peu le contest, quand même. Aïe, aïe. Parce que bon, c'est bien beau de toujours sauver la princesse, mais bon, hein. Faudrait qu'elle arrête de se faire capturer, quoi. J'espère qu'il y aura un nouveau jeu Mario qui sera un peu plus mieux que celui-là, parce que franchement... il était pas mal, mais bon, c'est toujours la même chose. Ça lasse un peu, quoi. Il n'y a pas mieux que ce petit Mario 64 qui était vraiment bien fait pour l'époque. Moi perso je m'en lasse pas avec celui-là. Pourquoi je fonce comme un con là-dessus? Donc on va essayer d'aller vite pour ce niveau parce qu'il est assez chiant, comme je le disais tout à l'heure. Allez! Ouh là là là, j'ai cru perdre. Ah ouais, j'ai oublié que... voilà. Je crois qu'on est bientôt à la fin du niveau là. Logiquement. Ce bruit du sable, il commence à me les briser comme il faut quoi.
mettre une pente. Ah voilà, l'étoile, allez, une étoile de fête. Ah putain, ça fait du bien sans le bruit. Merci. Donc ça c'est fait. On va lancer une pyramide. On va voir ce qu'il y a. La suite. C'est quoi déjà? Les quatre pieds de la foi. Il sent mal celui-là. Ah oui, je sais c'est quoi, c'est bon. Alors logiquement, si je dois aller là-bas au fond, il y aura les quatre piliers et je dois sauter dessus. Enfin, écraser avec mes fesses dessus. Et logiquement, je devrais avoir l'étoile qui va apparaître. Logiquement. Ah ouais, mais regardez-moi, ils m'ont foutu là. Mais non, lâche-moi. Ah, quoi que non. Est-ce que je vais y arriver? Ah, mais ça va, une fois ça suffit. Hein. Non. Ouf. Logiquement c'est ça. Enfin, j'espère que c'est ça. Je suis censé y aller carrément au fond là avant. Putain. Je me rappelle plus. Et dire à l'époque que j'étais le meilleur, j'arrivais bien jouer dessus. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chapeau qui vole, enfin, un chapeau ailé plutôt, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. 3. Donc après je dois aller dans celui-là. Donc je me manque. Oh là 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 là. J'espère que je vais m'en sortir. Perdu. Bon, on va changer de niveau parce que sinon on va pas y arriver. C'est sûr déjà. Donc on va aller dans l'autre. Que là on va pas y arriver, ça saoule. Ça saoule. Et pourtant je n'ai pas bu. Et reblague de merde, excusez-moi. Ascenseur dans le volcan. Ou si c'est celui-là que je pense, on va galérer. Ouais, c'est celui-là que je pense et punaise quoi. Je crois qu'on va faire que 5 étoiles et boy sûr ça sera pour la prochaine fois. Parce que sinon là on va trop galérer. Donc l'ascenseur il me semble qu'il faut aller de l'autre côté et après. Après prendre cet ascenseur qui est horrible tellement qu'il y a des choses à éviter. Allez c'est parti. Là je vais essayer de me concentrer à moi. Il est horrible ce niveau aussi. Encore ça va, il vaut pas celui de l'arc-en-ciel parce que lui il est encore pire. Quand je finirai bientôt le jeu, je vous montrerai. Alors là on va prendre lui. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas celui-là. On va se dépêcher. Regarde-moi ça, putain, regarde-moi comme c'est une barbare. On dira c'est Mario, hein. Alors, putain, regarde-moi ça. Oh putain, si je perds là, je tape une crise du siècle. Hop là. J'avais tapé une crise et je perdais là. Cardiaque, hein. Donc je sais pas si j'ai fini ce niveau là, je crois qu'il y a encore un de trucs à faire, non. Ah non, ben c'est fini, donc on va s'enlever de là. Bon, niveau de la lave terminé. Maintenant on va voir un autre. Tiens, ben on va essayer un peu les autres qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas tout fait ici. Donc on va essayer d'aller dans celui-là, le tout premier niveau où on est allé. Non, allez, putain Mario. Donc on va faire le 23e étoile. Canon vers l'île Perchée. Aïe aïe aïe. L'île Perchée, c'est quoi déjà? Ah si, je sais ce que je pense. Bon, il faut que je me dépêche alors. Allez. Oui, je sais, je suis pas sûr. Oui, parce qu'après, il y aura les fameux canons.
Oui, je sais comment utiliser le canon, bien sûr, et ça va m'apprendre. Alors là, on va vite se dépêcher parce que je vais pas perdre de temps, donc on va faire à la mode Kenshiro, c'est prendre ça. Et pour pas se louper, on va prendre le bon canon. C'est une petite solution aussi que ça vous donnera, je pense que vous l'avez déjà fait vous aussi. Mais bon, moi je préfère faire comme ça, oui, comme ça, il n'y a pas de problème. Merci. Mais j'ai intérêt de me dépêcher, punaise. Mais merde. Merci. Alors attendez. Voilà, il y a eu un petit bug, excusez-moi. Mon ordinateur, il doit être plein de virus avant que ça bug à la fin. Attention, la vie d'un dieu. Je vais me dépêcher parce que le truc il va finir. Voilà le fameux canon par le truc qui par chala. Punaise. Je vais dire la con mais non je vais être poli. Voilà les toiles. Étoiles et ça fera 25. On va y aller à notre niveau. Donc on va aller. Ah bah tiens, ici on va aller. Ça va être assez chiant le faire, mais on va y aller alors. Donc on va aller par là. Je crois pas que j'ai fait celui-là. Il me semble pas. Piller des voitures. Ouais bon, c'est par là. Plus chiant quand même. De toute façon dans ce Mario il y a beaucoup de niveaux chiants, je vous préviens. Donc on va faire ça. C'était musique calme à l'époque mais qui te disait fais attention à toi, tu vas galérer quand même. Logiquement cette merde là va s'enlever. Je vais pas t'enlever. Ok, donc c'est pas par là. C'est pas là qu'il fallait mettre là, franchement. Donc, voilà. Aïe aïe aïe. Bon, Mario Metal. Donc c'est pas ça. C'est sûr? Non, c'est pas ça. Alors 1, 2, 3, 4, ouais, génial. 4. Logiquement, j'ai l'étoile. C'était même pas celui-là en fait. Je crois que je me suis loupé d'étoiles. À tous les coups. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Piller le bateau, cool. Ben, j'aimerais rentrer dans le bateau, mais si y a cette putain d'anguille à la con qui me vient tout le temps, ça va être compliqué de rentrer dedans. Comment la faire sortir déjà? Pour aller dedans le bateau il faut la faire sortir cette merde et pour la sortir je sais pas comment on fait que le bateau je vois que celui-là oui, tu veux sortir. Allô putain il veut pas sortir encore. Tu veux
sortie. Ah non, mais t'es chiant. Hein. Comment tu veux piller un bateau si tu te sens? En cas, j'ai un peu de panique. Il d'avoir une solution, mais... Solution, wow, je parle français, moi. Solution, mais quoi? Allez... Au moins qu'il faut aller là. Non. Je me rappelle plus... Ah, elle est sortie vite! Oh, c'est ma chance. Je me disais bien qu'il sortait ce tabruti. C'est ma chance, il est tirant pour arriver à l'île. Tu peux rentrer, allez. Voilà, là on pourra le piller tranquillement. Donc, oui. Alors, attends. Je me sens mal là. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Bon. Alors ici là, peut-être c'est celui-là premier. Ah oui. Non, premier. Je pense deuxième. Troisième. J'espère que ce soit bon. Ouais, c'est bon. Et le quatrième est pas là. Donc logiquement l'eau va s'enlever. Je suis con parce que j'aurais pu me dépêcher. Vite, dépêche-toi, vas-y, 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 que je suis un gros flemmard et je veux pas rester là. Au moins là. Au moins je reste là, c'est pas cool. Voilà. Nickel. Après il faut tout refaire, ça va être assez chiant à faire. Aïe. Ah non, 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 non. Voilà. Hop là, et ça fera 20. Fini. Donc voilà. Donc le prochain épisode, je pense qu'on battra le bosseur des laves. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que je vais faire mon test rétro et... Et j'aurais voulu faire sur Resident Evil, mais malheureusement, je ne pourrais pas, parce que je sais pas ce qu'il a, l'émulateur 64, des codes sur lui, plus mon émulateur Saturn aussi. Donc, je pense avoir trouvé le jeu que je ferai. Donc, je vous laisse la surprise, et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Bonjour et bienvenue pour un nouveau test rétro, cette fois. Alors, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu choisir Resident Evil, parce qu'il marchait pas. Donc, ça sera Pilot Wing 64. Alors, c'était sorti sur 1996 et 97 sur... entre 1997, ouais, sur la Nintendo 64. Il était déjà sorti un jeu de la même truc sur la Super Nintendo. Alors, je vous explique le jeu. En fait, le jeu, c'est un jeu de simulateur. Donc on peut faire de l'Edental Plan ou des trucs comme ça et tout. De toute façon, il est sorti il n'y a pas longtemps sur la Nintendo DS 3D avec le jeu avec Limi. La même chose. Donc la première fois qu'il était sorti ce jeu, c'était sur la sortie. Alors voilà, comme je vous le dis, on peut faire du Delta Plan, du Rocket Bat et du Gyrocopter. Donc là, on va faire les trois. Comme ça, on vous montre pas le test. Donc on va faire déjà le data plan. Donc je vais choisir, je sais pas qui, ça y ressemble tout, ça rien du tout. Donc on va choisir le petit garçon. Il est content. Donc épreuve phare, 70 points pour le bronze. Ok, c'est parti. Donc honnêtement, j'ai jamais trop joué à ce jeu, donc je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Traversez trois anneaux, puis posez-vous sur la piste d'atterrissage. Alors vu comme je suis une grosse merde dans ce jeu, donc je vais vous montrer la dextérité que je suis. Ok, c'est parti. Alors on doit passer sur les trois anneaux. Donc les trois anneaux sont là-bas. Donc le jeu a été visé à plusieurs parties et à plusieurs difficultés. Hein. Voilà, on doit passer dans les trois anneaux et tout. Là, peut-être après, ce sera beaucoup plus dur, évidemment. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Donc, on peut juste avancer et essayer de choper les trois anneaux et... Bien atterrir. Ah, un anneau, ok. Deux anneaux, ok. Trois anneaux, ok. Alors, on va voir si je vais arriver du premier coup.
Les premiers coups. Et non, ici. Et... Oh. Bon, bah l'atterrissage est pourri. Hein. Suite est pour... Pas faire 40. Logiquement, j'ai eu gagné. Hein, je devais faire... Je sais même pas si j'ai gagné ou pas. Bon, bref, on va faire maintenant la Rocket Pelt. Donc on va choisir le ce gosse là. Donc l'épreuve à faire, ce n'est même pas l'épreuve. Alors une épreuve à faire. Alors touchez le ballon au-dessus du château puis atterrissez sur la cible. Vous devez éclater le ballon pour gagner des points de temps. D'accord, ok, c'est parti. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire aussi. Alors le ballon il est là-bas. Donc on doit récupérer le ballon, en premier si j'ai compris. Et aller dans la piste d'atterrissage. Voilà, j'ai pété le ballon. Donc maintenant, bah, à la piste d'atterrissage. Ouf. Je sens que je vais bien m'énerver là. On va aller doucement. Ouais. Doucement. 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 Comment ça, deux points de pénalité, ta connerie, non? Voilà, j'ai bien atterri. Deux points de pénalité, ta connerie, oui. Donc, suite. Bon, là, j'ai réussi. Ça, pour un score parfait. Bon, on peut pas tout avoir, hein, mon petit. D'accord. Il se passe quoi, alors? Vous avez gagné une médaille d'or. Félicitations. Ah, ben, j'ai gagné. Donc maintenant en fait je pense qu'il faut réussir à les trois. Donc on va faire le gyrocopter. Ouais d'accord, il faut gagner. Oula. On prend lui. Donc voilà. Alors traverser trois anneaux dans l'ordre poussez-vous sur la piste d'atterrissage. Le chien et leur anneau hein. Allez, on va commencer à démarrer la petite machine. Comment je... ah d'accord. Non mais calme-toi, je veux pas péter quelqu'un. Hein. Ah d'accord, on doit passer dans les anneaux. Je sais même pas c'est quoi le rapport à fusil, je sais pas quoi. Donc j'ai récupéré. Alors, ok, donc maintenant on doit re-atterrir là-bas. Oh putain, c'est compliqué tout ça. Alors comment je fais pour atterrir correctement? Alors attends. Il faut quand même que... Ah voilà, c'est bon. Doucement, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Doucement. Là je me fracasse. Ah oh mais sérieux, ils sont chiants quoi. En plus ils t'enlèvent des points quoi. Excusez-moi. Alors attendez, c'est reparti. Donc comment refaire ce truc? Si je réussis pas, ben ça finira le test. Pas de problème. Par contre, je vais vous dire, excusez-moi pour y avoir un gros bug, j'ai vu dans ma vidéo de Super Mario 64. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas votre PC si vous voyez que le jeu commence à trembler vers les coups des dernières minutes. Je préfère le préciser avant. Donc là, on va essayer d'aller doucement. Doucement. Tout doux, tout doucement. 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 Là logiquement c'est bon. Il va me dire que j'ai fait des points de pénalité à la con. Voilà. Pardon? Mais c'est pas vrai? C'est n'importe quoi. Bon, on va se refaire encore un état plane et après j'arrêterai ce sur test. Mais n'importe quoi quoi.
Alors donc on va prendre lui encore. Donc voilà, bon c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ah, ah non, je m'excuse. Non, ça va, je voulais pas faire ça. Putain, j'ai appuyé sur un bon bouton. Ouais, bouton. Ah, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Vitesse décroissante, je sais, j'ai vu. J'espère qu'il sait nager. Par même. On va recommencer. J'ai compris maintenant comment je vais faire pour atterrir tout à l'heure. Donc allons-y. Allons-y. C'est pas mon fort ces genres de jeux, je vous le dis de suite. Bon, pour l'époque, c'était pas mal comme jeu graphiquement. Je dis bien pour l'époque. Hein. Bon, excusez-moi. Attendez, j'ai éteint le téléphone. Voilà. Donc, voilà. Ouais, comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, on va atterrir doucement. T'abuses, hein, franchement, hein, j'ai pas perdu. Regarde-moi le Star Bridge. Bon, allez, une dernière fois, parce que ça a l'air intéressant comme jeu, finalement. Allez, doucement. Tout doux, tout doux. Alors, 1, 2, 3. On commence à ralentir. Hein. Ouais, j'ai réussi. Suite. Donc c'est après cette victoire que je vous laisse. Donc je vous dis à la prochaine fois pour d'autres tests. Et comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, excusez-moi vraiment pour le bug parce que mon PC l'a bugué et j'ai continué sans voir que ça buguait pour le test de Super Mario 64. Donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien, geekez bien, bisous.